Bon, je me suis réveillée ce matin, j'ai vu cette photo. Une photo de moi quand j'avais, je crois, 3 ans. J'avais l'air tellement heureuse sur cette photo. Je m'en foutais en fait de mes cheveux à l'époque. J'étais libre, alors qu'aujourd'hui, mes cheveux, c'est une obsession. J'ai voulu retrouver la petite fille que j'étais. L'insouciance, la liberté, la tranquillité. Et surtout, ne pas avoir à me conformer à une forme de beauté. La paire de ciseaux est là. Je la regarde. Je coupe. Je ne coupe pas. À quoi j'aurais l'air avec les cheveux courts? Bon, est-ce que je garde mes cheveux longs ou pas? Il y a trop de boulot en plus avec les cheveux longs. Je vais couper, je pense. J'ai ma paire de ciseaux, je suis prête pour couper mes cheveux. J'ai un petit peu peur, je suis un peu stressée, mais j'ai hâte d'en finir. J'ai tellement envie de les couper. Ça va me faire du bien. Et puis, j'aurai l'impression de tout recommencer à zéro. Et ça, c'est cool. Je ne suis pas une pro de la coiffure. Je ne suis pas une pro, mais j'ai juste envie de couper mes cheveux moi-même pour le geste, pour me réapproprier mon corps et pour décider de ce que je veux faire sur mon corps. Après, j'irai certainement chez le coiffeur parce que j'ai envie d'être jolie, j'ai envie d'être cute, donc je vais aller chez le coiffeur pour que on mette cette coiffure en valeur.
Vous voyez ce sourire? C'est le sourire de la liberté. C'est fait. J'ai les cheveux très courts. J'ai vraiment besoin d'aller chez le coiffeur. J'ai pris rendez-vous. Ce sera mardi prochain. Donc normalement, j'aimerais juste qu'on essaye de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose. Et j'espère qu'on pourra rattraper ce que j'ai pu faire de mal. Et puis voilà, ça fait juste super bizarre de pouvoir avoir la main sur son crâne comme ça. Waouh, c'est trop cool. C'est... Je me sens libérée. Tous ces cheveux là, c'est... Tous ces cheveux, c'est des années. Des années de soins, des colorations, des coupes. Mes cheveux qui ont changé de couleur à cause du soleil. C'est beau de voir mes cheveux comme ça, mais... Non, ça va. Ils sont bons. Mes cheveux. Vous imaginez à quel point on met de la pression pour ça? Ce qu'on peut enlever comme ça facilement. Ils sont vraiment... Ils sont vachement épais, mes cheveux. Regardez la beauté. Oh my god. Ça me manque pas du tout. Je me sens libre. Par contre, je sais pas si je vais assumer de pouvoir sortir comme ça. Parce que... On met tellement de pression chez les femmes noires par rapport à leurs cheveux. On veut qu'elles aient des cheveux lisses, longs. Alors que la plupart d'entre nous, on a des cheveux crépus. Et comme ils sont crépus, en général, on ne peut pas voir la longueur tout de suite. Parce que les cheveux crépus ont tendance à rétrécir énormément. Donc si tu as les cheveux jusque là, tu peux avoir les cheveux crépus qui font ça de longueur. Donc c'est assez compliqué. Est-ce que je vais porter des perruques? Oui. Why not? Pourquoi pas atteindre mes cheveux? Pourquoi pas porter des perruques? Juste m'amuser avec mes cheveux. Je n'ai plus envie que mes cheveux deviennent quelque chose qui me prend la tête, qui m'embête. Je veux que mes cheveux deviennent juste de l'amusement. Je veux juste pouvoir m'amuser avec mes cheveux. Bon, on va aller laver les cheveux. Et puis... Voilà. Oh. Hâte d'aller chez le coiffeur pour vraiment arranger tout ça.